Waouh, j'adore le chant de la forêt. Non, on dit ouais un bio-violacé. Oh mon Dieu, on dit ouais une tronçonneuse. Ah non, c'est une tronçonneuse. Hé, hey Carl, pourquoi on se dispute autant? Parfois, je crois que c'est parce que c'est tout ce qui nous ouest. Le travail est un privilège, pas un droit. Là-bas, ils sont là-bas. La compagnie est votre amie. Travailleur occupé est un travailleur heureux. C'est trop humiliant. Vous rendez votre patron très en colère. Grandis et fleuris. Mon usine fonctionne parfaitement bien. Comment? Vous voulez travailler le jour de Noël? Très bien, accordez-vous. Mon usine fonctionne parfaitement bien. C'est une journée pleine de surprises. Ça va chauffer. Vous savez, se battre aussi un peu comme danser. Une application au travail qui vous donne une impression. Passez la vitesse supérieure, loyaux travailleurs. Je suis trop fier pour supporter ça. Pépé de gamin. Dieu, ça fait mal. Petits avortons. Pour faire ma vraie vie, pas d'un mec comme lui. Naturophile. Je l'aime plus de mon père. C'est trop mignon. On va tailler ces gamins. Les petits bottes sont ridicules. Grand-mère, viens m'aider. Aïe, ouïe, aïe. Bon, dis donc, ce jeu date de la préhistoire. Notre vigne est une merveille. Le travail est un privilège, pas un droit. Un travailleur occupé est un travailleur heureux. Vous rendez votre patron très en colère. C'est une journée pleine de surprises. Réfléchissez-moi, travaillez plus. Vous savez, se battre c'est un peu comme danser. La compagnie est votre amie.
Comment? Vous voulez travailler le jour de Noël? Très bien, accordé. Allons-y! Voilà Lisa! Ah, mon usine fonctionne parfaitement bien. Vive le vert! Un travailleur occupé est un travailleur heureux. Une application au travail de 10 heures nous impressionne. La cuisine est une merveille. La compagnie est votre amie. Passez la vitesse supérieure, loyaux travailleurs. Réfléchissez-moi, travaillez plus. La compagnie est votre amie. Notre usine est superbe aujourd'hui. Je vous ordonne d'adorer Monsieur Burke, je veux dire votre mystérieux leader. Vous savez, se battre c'est un peu comme danser. Notre usine est superbe aujourd'hui. Comment? Vous voulez travailler le jour de Noël? Très bien, accordé. Girl Power! Grandis et fleuris! Ah, mon usine fonctionne. Vous nous avez sauvé la vie. Vous aidez où, les gamins? Oui, nous allons dire à tout le monde que nous avons été sauvés par... les enfants de mer, dont les noms sont... Bart et Lisa! Je ne crois pas que vous ayez oublié nos noms. Vous nous connaissez depuis toujours. Bah quoi? Vous savez, on ne peut pas se rappeler de tous les enfants. Et voilà 200 Américains besogneux qui vont perdre leur job. Comment on va nourrir nos familles maintenant? Vous pourriez toujours faire une nouvelle formation, comme gardien de garderie ou médecin sportif. Mais j'ai été bûcheron toute ma vie. Mon père était bûcheron, mon grand-père l'était aussi. Et mon arrière-grand-père aussi. Super histoire. Tout ce que je voulais, c'était détruire notre fragile écosystème. Et voilà comment on me remercie. Je suis désolé, monsieur. Vous voulez que j'envoie des hommes de main mettre une raclée à Algor? Pourquoi pas, oui.
Oui, la voie législative va une nouvelle fois fonctionner. Maman, tu peux continuer à lire. Quimby fait copain-copain avec le producteur de Jules. Ça me met hors de moi. Vite, je dois aller le pas pour tester chez moi ce simulateur de vol de voiture. File-moi ta caisse, minable. Ned, est-ce que ça va? Oh, avec un grand sourire et des soins médicaux, on peut tout soigner. Ce jeu vidéo va transformer tous les enfants de Springfield en tueurs sanguinaires et en mari, couche-toi là. Maman, je sais comment tu peux faire interdire ce jeu. Comment? Ce manuel nous apprend à utiliser nos super pouvoirs. Alors je peux parler aux baleines comme Aquaman? Ou je peux faire les mêmes trucs que Hawkman? Non, maman. Avec ta persuasion, tu peux convaincre les foules de faire tout ce que tu veux. Oui, comme Oprah. D'accord, on va interdire ce jeu vidéo. Je lance cette émeute au nom de la décence. Allons-y! Dakota, je rejoins votre société secrète. Je me sens aussi pur qu'une jeune vierge. Soignez-vous à moi! Un bon commerçant se doit de suivre de sa communauté. Voilà, salut, salut! Yeah.
sushi. Oui. Que la tranquillité soit avec vous. Je sais bien que nous sommes une foule assoiffée de sang, mais l'odeur est-elle obligatoire? Eddie, Lou, il y a du grabuge par là, planquez-vous! Aussi remonté depuis le jour où je suis arrivé en retard à la... Mais s'il y a 12 ans, 4 mois et 5 jours. Pour me donner du courage, je vais boire une bière sans alcool. Après la marche funèbre, vous êtes tous invités à la Casa Flamme d'Eridi pour prendre le thé. Je sais bien que nous sommes une foule assoiffée de sang, mais l'odeur est-elle obligatoire? Eddie, filme ça avec notre caméscope. On pourra le vendre pour le mettre TV.
je n'ai jamais compris pourquoi les femmes avaient peur des souris. Hé, ne me faites pas venir jusqu'à vous. Ok, donc j'ai changé d'avis. Cassez-moi ça. Détruisez-moi ça. Montrez un peu qui commande. Faites ça de la bouillie. Je n'ai pas été aussi remonté depuis le jour où je suis arrivé en retard à la messe il y a 12 ans, 4 mois et 5 jours. Oh. C'est moi! Mon Dieu! Des enfants et des adultes qui se battent! Il n'y a plus aucun ordre dans cette ville! Je vais boire une bière sans alcool. Fils à moi.
Je sais bien que nous sommes les foules assoiffées de sang, mais l'odeur est obligatoire. Vous êtes nuls, vous les pacifistes! Vous êtes des galous! En mille morceaux, anéantissez-moi ça! Chaud de vol! À bout, en force! Je peux être viril aussi. Je n'ai pas été aussi remontée depuis le jour où je suis arrivé en retard à la messe il y a 12 ans, 4 mois et 5 jours. Pour me connaître, je vais boire une bière sans alcool. Ils vont payer. Ouais, c'est déjà la saison des émotions. Montrez un peu qui commande. Ok. Retournez en Russie. Les jeux vidéo, c'est nul. Protestez, ça changera rien. Les deux camps ont tort, mais le vôtre a un peu plus quand même. Dans votre prochaine vie. Oh mon Dieu! Des enfants et des adultes qui se battent! Il n'y a plus aucun ordre dans cette ville! Formidable! Woo!
Que la tranquillité soit avec vous. Dispersez-vous, mais restez dans le coin. Je suis vraiment maligne. Allez, chez moi. Avec mon stylo, je vais vous filer le blues. Hé, hey, ça va mal finir, héros. Appelez la police. Au club de lecture. Félicitations, Quimby. Vous avez fait de grandes saves Scratchy Day un succès retentissant. Merci. On pourrait peut-être fêter ça avec les stagiaires. Des assistantes sexy? Ben, c'est sexy à Springfield. Ah, oh là là. Je pense qu'il ne va pas sortir. Nous allons utiliser notre botte secrète. Non, mais pas encore. Je parlais de Maggie. Oh, formidable! Allô, madame, à l'écoute? Je n'ai jamais compris pourquoi les gens avaient fait les souris. Je n'arrive pas à croire que nos enfants nous reprochent notre ouverture d'esprit. Y a rien à voir ici, tire-les. Hé, Eddie, filme ça avec notre caméscope. On pourra le vendre aux chaînes TV. Je n'ai pas été aussi remonté depuis le jour où je suis arrivé en retard à la messe il y a 12 ans, 4 mois et 5 jours. Ok, je suis prêt à recevoir mon pot de vin. Ouais, le symbole du dollar, c'est ma religion à moi.
quoi ? C'est déjà la maison des émeutes ! Si vous voulez, ne pas vous arranger un rendez-vous avec Saïd Fidel. Vous êtes beaucoup plus agréable que votre mère. Mon Dieu, elle est chaude, l'eau de ce jacuzzi. Une foule de parents furieux. Il y a même une sénatrice, Quimby. Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de manifestation. Vous disiez que la ville était remplie d'idiots qui avaleraient nos beaux discours. Eh bien, je vous retire votre pot de vin. N'ayant pu obtenir un pot de vin suffisant, j'ai décidé de retourner ma veste et d'interdire la vente de grandes Theft Scratchy aux mineurs, alors que ce sont les seuls qui voulaient jouer à ce jeu. Maman, ce n'est pas un peu hypocrite de dénoncer la violence du jeu d'Itchy et Scratchy alors que tu utilises la violence pour faire passer ton message? Je suis désolée, Lisa. Je ne t'entends pas avec tout le bruit de cette foule admirative. Oh. Tu es trop chic. Vous n'allez pas me croire. Wow, c'était le plus beau jour de ma vie. Oh, Pinaise, toute ma vie j'ai voulu être éboueur et là c'est fait. Homer, tu voudrais pas mettre tes nouveaux pouvoirs au service d'une cause plus noble? Comme quoi, manger des terroristes et recracher des fleurs? Et toi, qu'est-ce que t'as fait de super bien? Pour information, j'ai mobilisé la ville pour faire interdire un jeu vidéo violent. Ma, si les enfants peuvent pas jouer à Grand Theft Scratchy, ils connaîtront jamais les bases pour gagner leur vie, comme vendre des armes ou flinguer pour du fric. Mais dis-nous tout, Bart. Il paraît que t'as détruit la moitié du musée d'histoire naturelle et c'est mon endroit favori pour trouver du réconfort. Puisqu'on en est à se balancer des trucs pas sympas, ton petit exploit avec les bûcherons a mis plein de gars honnêtes au chômage. Leurs vies sont brisées. T'es vraiment un gros idiot. Tu ne saurais même pas te servir d'un super pouvoir. Oh, mais c'est aussi bête pour les enfants. Ouais, bah t'es vraiment naze, ouais, un gros naze. Nous y sommes, enfin. Et ça nous a pris seulement 300 décas décennies. Vous nous avez appelés pour venir visiter votre espace intersidéral. Pourquoi se dispute-t-on toujours au sujet de nos plans de vacances? Tu as raison, on va les atomiser. Qui viennent piquer notre boulot. Hé, écoutez-moi. On a des super pouvoirs. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans les navets que j'ai vues, c'est que les super pouvoirs donnent des super responsabilités. Alors sauvons cette ville et foutons les fesses de ces aliens. Si jamais ils en ont. Nos pouvoirs ne sont pas assez puissants. Nous devons arrêter ces vaisseaux spatiaux. Et une seule personne à Springfield est assez intelligente pour trouver comment faire. J'ai bu le liquide bleu qu'il y avait sous l'évier. Oh, allons voir le professeur Frink. Je dirais qu'il n'est pas là. Très bien, j'enfonce la porte, tu entres.
C'est encore plus triste que chez Mo. Et Mo, c'est un mec vraiment triste. Bart, écoute-moi. Je crois savoir où est parti le professeur Frink. Non, crétin, le panneau. Sa lecture, c'est pour les nouilles. Allez, viens. Des caisses, des pièces, des cœurs, des vieux personnages de jeux vidéo. On est où, là? Ça ressemble à une usine. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Ils fabriquent des jeux vidéo. Quand j'ai traversé mon portail spatio-temporel, j'ai découvert un monde parallèle au nôtre. Bienvenue dans le moteur de The. Ouais, ouais, génial, tu pars, notre ville est attaquée par des aliens et... Tu ne comprends donc pas, petit. Toute ta vie jusqu'ici n'a été qu'un jeu vidéo. Ouais, ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Nos pouvoirs de jeux vidéo ne sont pas assez puissants. Il faut les améliorer et vite. Eh bien, j'ai anticipé le problème. Et j'ai fait ce que tous les joueurs coincés dans un niveau finissent par faire. Vous avez triché? Exactement. Voici le guide stratégique. Livre d'astuces? Je ne sais pas, Bart. Je veux bien évidemment sauver les vies de nos amis, mais de là à être malhonnête... Pour l'amour du ciel! Allez, Frink, laissez-moi voir ce bouquin! Au secours, un singe géant! Et son contact n'est pas des plus agréables! Thank you.
Que la tranquillité soit avec vous. Mm-hmm.
m'échapper et réviser un peu. C'est bien douloureux. La grosse barre est un langage universel. Vos pixels m'appartiennent. Faut que je pense à appuyer deux ou trois trucs là-dedans. Meilleur jeu. C'est du coup de poing. Supercute fatal. J'espère que j'aurai le temps de faire mes devoirs. Je dors dans une grotte. Je vais vous battre façon Shaolin. Quand j'y pense, il faut vraiment être dingue pour construire ça. Là-dedans. Il y aurait plein de choses à révéler sur cette usine. Attention, ça va cogner. Allons, tête. Quand j'y pense, faut vraiment être dingue pour construire ça. Et si on papotait
frapper avec nos poings. Médite là-dessus. Je pense à piquer deux ou trois trucs là-dedans. Regardez, c'est ma sœur. Quoi que tu fasses, pas de faux pas. Avec tout ce matos, on pourrait faire de meilleurs jeux. Je pourrais peut-être m'échapper et réviser un peu. Peut-être que le budget marketing pourrait servir à faire de meilleurs jeux.